Bonjour et bienvenue chez SpeedEasy.com. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer en fait avec ChatGPT une page produit pour sa boutique Shopify. Donc à savoir que ça peut aussi fonctionner sur tout type de site web. Hein. Ça peut être aussi pour votre page sur WordPress, sur Wix ou autre. Donc on va voir ça directement au niveau de... Là on est directement sur le dashboard de Shopify. Donc au niveau du produit, on va créer un produit. Donc là j'ai pris une boutique pour la démonstration qui sera axée sur la cosmétique. D'accord ? Et dessus, je vais vous montrer comment on va créer une page produit grâce à ChatGPT et qu'on va gagner du temps. D'accord ? Donc, tout d'abord, ChatGPT, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai les vidéos en description. Je fais des vidéos tuto où j'explique comment utiliser ChatGPT et à quoi ça sert. Donc aujourd'hui, ça va être axé sur la page produit. D'accord ? Pour commencer, pour que l'exercice soit bien pour vous, je vous conseille de télécharger l'application AIPRM. D'accord ? À savoir que cette application AIPRM est une extension Google Chrome qui vous permettra en fait d'avoir ce qu'on appelle des prompts. D'accord ? Donc les prompts, c'est ça. Un prompt, c'est en gros une ligne de route, comme un GPS, qu'on va donner au robot pour qu'il puisse en fait nous sortir ce qu'on lui demande. D'accord ? Si vous voulez faire des articles de blog, de choses comme ça, il pourra le faire sans aucun problème. Donc là, pour commencer, on retourne sur Shopify. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un produit. D'accord ? Donc, pour ajouter un produit, je vais tout simplement aller sur produit. Ok ? Et une fois que vous êtes là, on va faire ajouter un produit en haut à droite. D'accord ? Ici, à droite, vous avez ajouter un produit. Donc là, vous cliquez dessus. Ok, et là jusqu'à présent c'est assez simple, hein. On est ici, on met un texte, donc moi je vais mettre, on va mettre par exemple, ouais, bon, c'est juste pour, on va mettre pommade, attends je vais mettre pommade ou je vais mettre masque anti-âge, ok, donc ça sera le nom de mon produit, d'accord. Là concrètement, au niveau de mon produit, j'ai pas de description, donc pour la description, on va la créer, d'accord. Effectivement, ici, vous voyez, il y a plusieurs, ça après, on le verra en détail, ok. Ici, vous pouvez en fait générer du texte, mais concrètement, un peu comme ChatGPT, mais concrètement, il est pas ouf, d'accord. Sur ChatGPT, c'est beaucoup mieux. Là-dessus, c'est vraiment pas ouf sur Shopify, leur robot, il est pas optimisé, et je trouve pas qu'il est performant. Donc là, en fait, vous allez aller sur ChatGPT. Donc, je répète, vous téléchargez AIPRM, d'accord ? Donc, une fois que vous avez AIPRM, donc l'extension Google Chrome, vous avez ici Search, donc recherche en anglais, search en anglais et recherche en français, pardon. Et là, vous tapez Product, d'accord ? Product pour produit, ok ? Vous faites Entrée. Et là, automatiquement, vous voyez, il me propose ce qu'on appelle des prompts, d'accord ? Donc là, j'ai fait clic droit, traduire en français. Et on voit qu'ici, vous voyez, SEO e-commerce, générer des descriptions de produits attrayantes. Le meilleur contenu d'écrit, script vidéo, bon là c'est pour YouTube. Mais voilà, rédiger une description produit optimisée pour le référencement. Voilà, vous pouvez tout faire. Donc moi, je vais prendre par exemple celui-ci, d'accord ? Celui qui ici, je vais juste mettre le nom de mon titre, ok ? Masque anti-âge. Là, je vais mettre des mots-clés, je vais mettre pommade. Je vais mettre comme quoi il y a trois tailles. Bon, il y a un pot de 250 millilitres. Bon, c'est un masque, mais bon, voilà. Là, c'est juste pour le truc. 500 ml et 1 kg. Voilà. Produit, on va dire que c'est du Made in France. Ensuite, on va dire aussi que produit bio, et on va mettre, non ça suffit, voilà, donc on va mettre ça, ok, et ensuite je vais lui demander ici par exemple, à la fin, ajoute des emojis, ok, c'est pour le rendre un peu plus fun. Bon après ça c'est vous qui voyez, mais quand vous avez des gros textes, ça permet de casser un peu le fait que ce soit rébarbatif comme si c'était un bouquin. Et là vous envoyez et vous allez voir que même si j'ai pas moi-même tapé comme quoi c'est un expert en ci, en ça et ainsi de suite, le fait que j'ai choisi un prompt qui a déjà été fait, là il est en train de me le faire. D'accord ? Il est en train de me produire le texte par rapport à mon produit, donc ça pourra vous aider, hein. C'est que plutôt que faire appel à des gens qui vont vous créer vos produits,
créez également vos descriptifs produits qui peuvent prendre du temps et ça peut vous coûter de l'argent. Vous faites cette technique-là et vous êtes tranquille. Donc là, vous inquiétez pas, c'est normal que ça bug, tout simplement parce que des fois, ça arrive que le serveur déconne, mais c'est pas pour dire pour autant qu'il ne travaille pas. D'accord ? Vous voyez ici, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, là, il a terminé. Quand il y avait le rond qui était en bas, c'est veut dire qu'il était en train de travailler. D'accord ? Là, on voit qu'il a terminé, c'est devenu une flèche. Donc là, maintenant, tout ce que j'ai à faire pour voir ce qu'il a fait, j'actualise. D'accord ? Si ça me plaît pas, on rectifie. Mais là, il l'a fait. Donc là, voyons ce qu'il a écrit. Découvrez la quintessence de la jeunesse avec notre masque anti-âge, une véritable innovation cosmétique. Fabriquée en France, notre pommade disponible en trois tailles pratiques, 250, 500 et 1 kg, est spécialement conçue pour ceux qui cherchent à revitaliser et rajeunir leur peau. Bon, bref, c'est plutôt pas mal, d'accord ? Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est merci, mets-moi les mots-clés. En gras. Là, j'essaie de gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, pour le référencement naturel, le fait de mettre des mots, les mots en gras, d'accord ? Ça permet en fait tout simplement à ce que le Google, quand il passe son robot dessus, il voit que tel et tel mot est important. Ça, pour le SEO, c'est très important, ça fait gagner du temps, d'accord ? Donc, il va mettre les mots importants qu'il estime importants en gras. Et moi, ça va mâcher un peu le travail dans le sens où après, quand après, je vais le mettre sur mon texte et que plus tard, je vais le mettre sur ma boutique et que je vais indexer ma boutique, en fait, il mettra en avant les textes et les mots-clés. Ça veut dire que quand les gens feront des recherches par rapport à ces mots-clés-là, automatiquement, ça sortira mon produit. D'accord ? Donc là, j'attends qu'il termine. Et une fois qu'il a terminé, je vais le mettre sur mon site. Ensuite, je vais vous montrer d'autres choses sympas parce qu'on va faire du coup une optimisation de page SEO mais avec ChatGPT. Donc là, c'est le cas. D'accord ? Donc vous voyez, j'ai juste mis au départ, le petit texte qui était, il est où ? Il est là. J'ai juste mis ça. D'accord ? Et lui, avec le prompt, il m'a tout traduit, il m'a tout fait. Et voilà, c'est en place. Si jamais vous travaillez sur un autre marché que le marché français, vous pouvez lui demander de vous changer la langue. Ça, j'ai montré dans une vidéo. Vous pouvez changer la langue, le mettre en italien, en espagnol, en ce que vous voulez. Ok ? Donc là, je prends mon texte. Ok ? Jusque-là, pas de souci. Je copie. Là, je vais ensuite sur ma boutique Shopify. Et hop, je fais coller. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Et là, c'est en place. Ok ? Une fois que ça c'est fait, d'accord, je vais commencer à ajouter mes médias. D'accord ? Ici, je vais ajouter mes médias. D'accord ? À savoir que pour les médias que je vais ajouter, moi, j'ai fait en amont le travail. Je suis allé tout simplement sur Canva et j'ai créé mes visuels. D'accord ? J'ai pris des visuels et je les ai mis en place. D'accord ? Donc, là-dessus, je vais aller dessus, mettre en ligne les nouveaux visuels. Donc, on va sur Wellness Crew. Donc là, moi, je vais prendre des trucs que je trouve sympas. Donc, comme on a dit que c'était une crème anti-âge, on va partir sur ces trois-là. Les quatre-là, ils se ressemblent. Et je vais ajouter... je vais ajouter ça. Et ça. Voilà. Donc, moi, pour les photos, je vous conseille de mettre à peu près en termes de produits, minimum 3. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, mais c'est minimum 3 que je vous conseille. D'accord ? Et après, ce qui se passe, c'est que plus vous avez de photos, mieux c'est. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous avez une photo, vous pouvez mettre des métadescriptions sur les photos. Et les métadescriptions que vous mettez, pareil, ça va vous aider pour votre référencement naturel. D'accord ? Donc, une métadescription, en fait, vous cliquez ici, tout simplement sur votre photo. Ok ? Et quand vous cliquez sur votre photo, ça apparaîtra derrière. Donc, d'abord, il faut que j'enregistre. Ok ? Donc, je vais enregistrer. Une fois que ça a enregistré, regardez, je vais aller sur la photo en question. Vous voyez ici, il y a écrit « Ajouter un texte alternatif ». Donc là, ce qu'il faut que je fasse, si jamais je dois optimiser ma photo, c'est en fait mettre ici un descriptif. Ça, c'est obligatoire si vous voulez faire du référencement. C'est vrai que ça peut paraître pénible à faire tous ces textes-là, mais c'est obligatoire. Si soit vous avez le budget pub et vous payez les 50€ par jour minimum pour être actif, donc ça fait 1 500€ à la fin du mois, soit si vous n'avez pas le budget, vous optimisez votre site à fond la caisse. Ça prendra un peu plus de temps le SEO, mais au moins, vous aurez un site qui sera optimisé et qui sera pérenne. D'accord ? Donc là, par exemple, je peux mettre pommade-anti-âge, pommade-crème-cosmétique, juste avec un C. Voilà, et etc. Vous mettez votre marque, vous mettez ce que vous voulez, et là vous enregistrez.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de copier ça sur un presse-papier. Vous en mettez plein, vous mettez sur presse-papier. Comme ça, quand vous avez le même produit, tout ce que vous avez à faire, c'est copier, aller sur suivant ici, hop, vous collez, hop, vous enregistrez, hop, je continue. Et comme ça, je l'ai sur toutes mes photos produits, d'accord ? Là, vous vous dites, ouais, mais à quoi ça sert de faire ça, tu vois, Flo ? Ok, ben, je vais vous expliquer. Le fait de faire ça, en fait, c'est que quand vous allez être, en gros, sur Google Images, par exemple, ici, je vais taper crème anti-âge, ben, on va mettre taper la couleur verte, d'accord ? C'est l'exemple que je donne tout le temps. Si je tape vert, je vais dans Images. Là, vous voyez, en vert, on va trouver des couleurs, des trucs de peinture, on va voir des, également des... la nature, on va voir ici qu'il y aura des meubles, ici on voit qu'il y a ici des vêtements, vous voyez, il y a les robes et tout ça, on voit qu'il y a des fruits, des légumes, il y a la nature, bref, il y a de tout, d'accord ? Donc le fait, en fait, si vous voulez, de mettre ce genre de métadescription, vous permet en fait de vous référencer sur Google Images, d'accord ? Parce que en gros, si jamais je vais ici, on voit que ça, c'est un site e-commerce, deco.fr, donc là c'est via M6, ok ? Donc là, je vois qu'ici, il y a maison, jardin, nettoyer, bricoler, et il y a toutes les informations, d'accord ? Donc ça, c'est sur deco.fr, mais il y en a un peu partout, ok ? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre la métadescription sur votre fiche produit, ok ? Surtout sur les photos. D'accord ? Donc je retourne ici. Donc une fois que je suis ici, vous voyez, les photos elles sont plutôt jolies. Donc moi je vous conseille d'avoir des belles photos. Si vous ne savez pas les faire, ben, prenez des photos libres de droit au départ et quand vous avez plus de moyens, vous prenez des photographes. D'accord ? Ou sinon vous prenez vos produits, vous vous inspirez de ce qui a été fait, vous le mettez dans des boîtes blanches. Boîte blanche, c'est ça sur Amazon, ça coûte pas cher, ça peut coûter entre allez, 17 et plus de 100 euros. Comme ça peut vous coûter que dalle, si vous êtes manuel, vous prenez un carton, vous le peignez en blanc à l'intérieur et vous mettez après vos produits dedans et quand vous prenez la photo, après vous pouvez créer des univers, d'accord ? Vous pouvez effacer l'arrière-plan et le poser directement dessus, comme ici, d'accord ? Donc là, vous avez vos photos qui sont ici. Une fois qu'on a fait les photos, on va commencer à mettre le prix. Moi, je vais dire que le produit coûte, admettons, 30 euros, ok ? Après, vous pouvez faire un prix avant réduction. Donc ça, c'est le prix de vente, ok ? Et là, le prix avant réduction, pour faire l'effet, en fait, promotion, je veux dire, bah, avant, ça valait 45 euros. D'accord ? Donc, ensuite, ici, on va ajouter ici les stocks. Donc là, on voit que c'est indisponible. Donc, on va dans disponible. Et en fait, on va mettre... on va mettre qu'il y en a 20. Non. Hop. Enregistrer. Donc là, on voit qu'en stock, il y en a 23. D'accord ? Maintenant, moi, ce que je veux, c'est ajouter, en gros, des variantes. D'accord ? Vous avez vu, au niveau des variantes, j'ai dit qu'il y avait plusieurs tailles. D'accord ? Donc, par rapport à ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur « Ajouter une variante ». On va mettre la taille. D'accord ? Au niveau de la taille, je crois que j'ai dit que c'était 250 ml. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait 500. Et après... 500, pas 50. Et après, j'ai dit qu'il y avait 1 kilo. Ok. Là, je fais terminer. Là, on voit qu'au niveau des variantes, du coup, ben, il y a ce produit-là qui existe en plusieurs couleurs. Du coup, les variantes se sont créées. D'accord. Là, ce que je vois, c'est que comme moi, j'ai fait au tout début, j'ai mis ça, qu'il y en a 23 en stock, ben, automatiquement, ça me dit que pour les autres, il n'y a pas de stock. Ça, pas de panique. D'accord. On va enregistrer. Là, ce qui va se passer, c'est que là, par rapport au stock, comme là, j'ai 0, ok, je vais juste cliquer dessus, je vais faire modifier en bloc. Donc, modifier en bloc, ça vous permet de modifier tout d'un coup, d'accord, sans perdre de temps. On clique là, ok. Là, vous voyez, au niveau des stocks, hop, je vais juste faire glisser ici, et en haut, je vais dire qu'il y en a 90. Et vous voyez, ça me le met directement. Hop, et là, je sors et j'enregistre. Et là, du coup, mes stocks ont été mis en place, d'accord. Donc là, quand je retourne en arrière, hop, je descends un petit peu, tac, tac. Et vous voyez, ça apparaît comme quoi il y en a 90. Et au total, avec les deux là, j'en ai 203 disponibles. D'accord ? Maintenant, par rapport au produit, il faut mettre des photos. Parce que comme ça, quand le gars, il va aller sur votre site web, il va cliquer sur Pierre, Paul ou Jacques. Et ce qui va se passer, c'est que automatiquement, ça va vous montrer la photo du vrai produit. Par exemple, si le 250, c'est juste un truc, le 500, c'est plus gros... Et le 1 kg, ça peut être deux comme ça, par exemple. D'accord ? Donc, on va aller ici. D'accord ? Donc, pour celle-là, on va le faire. Parce que là, j'ai trois photos à peu près différentes. On va dire que le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-là. Même s'il n'est pas plus gros, mais c'est juste pour l'effort de guerre. Et le troisième, c'est celui-là. OK ? Donc là, j'ai attribué mes photos par rapport à mes catégories. OK ?
Donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va aller voir à quoi ça correspond, comment c'est visuellement. À savoir que vous avez juste à cliquer en haut pour voir l'aperçu. Et à savoir que l'aperçu que vous avez, si ça vous plaît pas, au niveau du design, on pourra tout simplement le modifier dans la boutique en ligne. D'accord, au niveau du thème. Mais c'est pas le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est créer une page produit avec ChatGPT et pour l'optimiser. D'accord ? Une fois que je suis ici, je fais voir l'aperçu. Ok ? Donc là, je fais voir l'aperçu de mon produit. Et vous voyez, ça rend super propre. Ok ? C'est super propre. Je suis ici. Bon, moi, parce que vous voyez, il y a des photos. Moi, j'avais déjà commencé parce que c'est sur une des vidéos où je présente Wellness Crew, qui est voilà, la boutique que j'ai créée, qui est une boutique vraiment de démonstration, mais qui pourrait être une boutique que je mette en ligne. Il faudrait que je trouve des fournisseurs. Appelez-moi s'il y a quelqu'un qui veut lancer un business là-dessus et que je l'aide à concrétiser son projet. Mais voilà, vous voyez, comme j'ai dit qu'il y avait une promotion, du coup, ça met promo. J'ai mis le prix à 30€, mais j'ai mis le prix avant, qui était à 45, pour faire un peu l'effet comme quoi il y a une promotion en place. D'accord ? Donc là, vous voyez, c'est quand même pas mal. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. Ok ? Vous savez, des fois, vous avez des vidéos qui peuvent apparaître, qu'on peut mettre en place ici, dans votre page produit ici, comme des vidéos qu'on peut mettre en place directement ici sur la page, ici à droite. D'accord ? Donc, je vais vous montrer les deux. D'accord ? Je suis ici. Si maintenant, je veux ajouter ici une vidéo, ben, je vais dans mes téléchargements. Donc, j'avais préfait certaines vidéos, donc je peux prendre elle. Bon, là j'ai pas pris le feu, là c'est pas format carré, donc je vous conseille d'avoir format carré pour que ce soit bien. On va le faire en direct, vous savez quoi, on va le faire en direct, on va le faire de suite. Donc c'était elle que j'avais pris, donc on va faire en format carré directement. Je vais aller dans vidéo, hop, cosmétique, parce que je suis en format carré qui veut pas. On va effacer le filtre, comme ça il va me les mettre. Du coup, on va prendre elle. Je vais faire définir comme arrière-plan pour qu'on voit ça dessus. Et je vais mettre elle. Hop. Définir comme arrière-plan. Je vais scroller ici, décaler. Pour que ça aille vite, parce que ça dure quand même 17 secondes, c'est un peu trop long. Je vais aller ici pour la vitesse de la vidéo. Je vais dans lecture pour l'accélérer. Ok. Ici, je vais faire pareil. 15 secondes, c'est trop long. Hop. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais télécharger mes vidéos. Hop, je veux la 18 du coup et la 19. Terminé, télécharger. Et vous allez voir, je vais les mettre dans ma page produit pour que ça apparaisse. Comme quand vous allez sur les grands magasins, ça fait plutôt joli. Par contre, pour l'avoir à droite, c'est directement avoir un compte YouTube. C'est pour ça qu'avoir YouTube, c'est cool. Dans le sens où je ne dis pas de devenir des influenceurs. Hein. Mais c'est juste que quand vous êtes sur YouTube, vous avez un code à mettre en place qui s'appelle un code iframe. D'accord ? Je vais vous montrer comment le mettre en place. Qui vous permettra, en fait, tout simplement de... Ouais, mais il va me mettre... Attendez, parce que là, je vais voir un truc. Un compte iframe qui vous permet de mettre votre vidéo en ligne, en fait. D'accord ? Donc là, c'est juste que je viens de voir qu'il allait me le faire à la suite et c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux qu'il me crée des fichiers différents. Voilà. Et en gros, tout ce qui est iframe, ça vous permet de mettre une vidéo. Donc, on va commencer par ça. Donc, si par exemple, je devais aller sur YouTube et que je vais prendre une vidéo sur YouTube, là, par exemple, je prends celle-là. Bon, c'est un détail, hein. HubSpot. Parce que c'est la vidéo que j'ai fait hier sur HubSpot. Allez la voir, vous verrez, c'est pas mal. Mais du coup, je vais aller sur ma boutique ici. Et là, en fait, vous avez vu en haut, on peut modifier. Parce que, en fait, si vous voulez, pour modifier, si je veux mettre du titre et des choses comme ça, ben, en fait, ici, on peut choisir au niveau des titres, mettre le titre 1, le titre 2, le titre 3, voilà, les métadescriptions et tout ça. On peut choisir la taille qu'on veut. Là, par exemple, si je vais ici et je mets, admettons, ben, masque anti-âge. Voilà, je le mets en titre par exemple. Donc je vais là. Hop. En fait, si vous voulez, quand vous faites votre page produit, c'est bien de mettre en fait de choisir le hiérarchiser en disant ça c'est le titre 1, le titre 2, c'est en fait par rapport au référencement H1, H2. En sachant que le H1 c'est le titre, donc c'est ce qu'il y a là-haut. H2, c'est le sous-titre, et c'est les deux choses qui sont mises en avant quand vous faites du référencement par rapport à Google. D'accord ? Donc là, c'est important de le mettre. Ok. Donc là, on a dit que c'était le titre 2. Au niveau de la taille, si ça vous va pas,
vous pouvez la modifier, vous pouvez modifier la couleur également, d'accord ? Et là, après, vous avez votre site web qui sera tout simplement, comment dire, hiérarchisé au niveau de l'algorithme, d'accord ? Donc maintenant, moi, je veux rajouter la vidéo que je vous ai dit. Donc on va partir ici. La vidéo, par exemple, je vais en mettre une au milieu. Donc on va récupérer ce qui s'appelle, ils vont me dire d'insérer une vidéo, d'accord ? Donc je vais cliquer là. Et vous voyez, c'est bien indiqué qu'il faut le compte iframe. Donc si je vais ici sur cette vidéo, donc je vais cliquer là pour y aller. Vous allez voir sur chaque vidéo YouTube que vous avez, d'accord ? Oh bah attendez, je vais essayer de trouver une vidéo dans la cosmétique. Ça va être plus simple, comme ça sera plus joli que d'avoir Hulk qui crie. Donc, est-ce qu'il y a une vidéo que je peux utiliser qui est sympa ? Attends, il n'y a personne qui... Bah attendez, non, elle n'est pas ouf. Attends, il n'y a pas un produit. Bon, je voulais vous montrer le truc, mais en fait, j'aime pas leurs vidéos. Elles sont pas belles. Donc, du coup, je vais prendre ça. Donc, en fait, si vous voulez récupérer la vidéo, vous avez juste à cliquer ici sur partager. D'accord ? Quand vous faites ici partager, vous avez vu, il y a écrit intégrer à gauche. Ok ? Là, vous cliquez sur intégrer. Et là, vous avez un code qui apparaît qui s'appelle le code iframe. Ok ? Le code iframe, il est de là. Ok ? Vous faites copier. Vous cliquez en bas. C'est pareil. Copier. D'accord ? Donc une fois que c'est fait, vous retournez après sur Shopify, vous le collez ici, le code, et là vous faites insérer la vidéo. Et vous voyez, ma vidéo, elle est en place. On peut également mettre des photos, d'accord ? Si là en haut, je veux mettre une image, je fais insérer une image ici, et je peux mettre ça, d'accord ? Je peux mettre ma photo, je l'insère, la photo sera en haut. Si la taille ne me convient pas, vous voyez, je peux l'agrandir, ok ? Là c'est vous qui voyez. Et là on enregistre, ok ? Et là, quand je vais aller à nouveau voir l'aperçu, regardez, on a le produit qui est là. Hop, la photo, elle est là. Là, le descriptif, mais là, il a bugué parce qu'il y a eu un souci au niveau de tout ça. Donc, on va y remédier de suite. Ah, il ne veut pas me le mettre en... Alors, attends. Tac, tac, tac. Bon, le titre, je vais enlever parce que là, j'aurais dû le faire avant. Ça c'est bon. Merde, j'ai enlevé la photo. La photo, je la remets vite. Hop. C'était celle-là. Et je l'avais agrandi un petit peu. Voilà. Et j'enregistre à nouveau. Donc une fois que c'est fait, je vais aller voir l'aperçu. Au niveau de l'aperçu, on y est. Voilà. Ok. Et là, vous avez votre texte. Vous avez tout qui est en place. Ok. Et là, vous êtes pas mal. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que là, on a mis la vidéo. La vidéo, elle est en place ici. Maintenant, moi, je vais l'intégrer ici. Je vais intégrer une vidéo qui présente le produit. D'accord ? Donc, pour insérer la vidéo, donc j'avais dit que j'avais téléchargé directement sur Shopify. Il est là. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, il va y avoir deux petites vidéos qui vont être à l'intérieur. Voilà. Donc, quand je vais aller ici, là, ok, je vais ajouter. Là, je vais ajouter, j'ai dans téléchargement parce que moi, c'est là que je l'ai mis, et ce sera celui-là. Et là, je vais prendre par exemple cette vidéo-là, et je vais faire ouvrir. Et là, vous allez voir, la vidéo, elle va se télécharger, et elle va être ajoutée, et elle va être en bas. Donc des fois, je sais que par exemple sur AliExpress, maintenant, ils mettent leur vidéo ici en amont, en avant-première, parce que ça matche plus, les gens arrivent à se projeter par rapport à un produit qui vaut en action. D'accord ? Donc si j'ai un conseil à vous donner, essayez de copier les codes, hein, parce que la roue ne s'invente pas, elle est déjà faite. Donc si vous voyez qu'il y a des gens, au niveau de la cosmétique, ils ont mis des vidéos et que vous voyez qu'ils convertissent beaucoup mieux, c'est quand même pas mal. D'accord ? Vous pourrez le voir par rapport à ça. D'accord ? Après, pour analyser des boutiques Shopify, quand vous voulez voir quel est le produit qui fonctionne, quelles sont les choses, il y a un outil que j'ai commencé à utiliser il y a très peu de temps. C'est un outil que c'est Marcus Lorenz qui l'a mis en avant, parce que c'est lui qui l'a créé. Ça s'appelle Copify. D'accord ? Donc, je ne suis pas sponsorisé par eux. Juste pour vous dire que cet outil est vraiment très bien. Moi, je l'ai testé, j'ai montré à des élèves à moi. Et en fait, Copify vous permet de vous faire beaucoup de choses. D'accord ? Donc là, je vais aller dessus. Hop là, je m'assure qu'il commence à déconner. Je vais ici. Hop, la vidéo, elle est là. Ok. Ici, quand je descends, je vais voir l'aperçu à nouveau. Et là, vous allez voir, la vidéo, elle est là. Hop.
Vous avez vu ? Vous avez votre petite vidéo qui apparaît là sur la page produit et c'est plutôt pas mal. D'accord ? Et pareil, ici, si je change les variantes, si je vais ici, je dis que je veux le 500, vous voyez ? La photo du 500 est liée, celle du 1 kg est liée et celle du 250 est liée aussi. D'accord ? Et là, la vidéo, elle est là et je la trouve vraiment pas mal de mettre en avant votre produit avec en fait une petite vidéo comme ça. D'accord ? Ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose de qualité et ça vous permet vraiment après d'avoir un site qui est plutôt qualitatif et plutôt sympa. Et ça, en fait, un site comme ça, je suis sûr que je convertirai parce qu'il est plutôt pas mal. Il est joli, le nom est cool. Et après, au niveau de, des photos que j'ai prises, des vidéos, elles sont plutôt pas mal aussi. D'accord ? Donc voilà comment on fait pour créer une page avec ChatGPT. Maintenant, on n'a pas terminé. Parce que là, on a fait le plus gros, certes. Mais maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'optimiser pour le référencement sur les moteurs de recherche. D'accord ? Donc là, je peux lui dire, maintenant que ça, il me l'a fait. Voilà, ma souris, elle est en train de partir en vrille. Les souris d'Apple. Donc là, je vais lui dire... bon, merci. Et je vais lui dire... mets-moi par exemple comment je peux lui dire, crée-moi le meta title pour ma page produit pour le référencement sur Google ainsi que la méta description. Voilà, hop, et là il va me le faire, vous allez le voir. Donc il va me créer le meta title pour ma page produit et pour le référencement sur Google. Voilà, et ainsi que la méta description. Donc là il est en train de me le chercher, vous voyez, il est ici, il est en train de me le chercher. Des fois ça peut bugger, comme je vous l'ai dit. Dès que là c'est terminé et qu'il est plus comme ça, ce sera bon. Et là il me fait la meta title, tac. Voilà. Hop. Ici, ça me plaît pas, je peux le refaire. Donc, ici, ce qu'il m'a fait ici, c'est que je vais juste prendre masque anti-âge bio naturel fabriqué en France. D'accord ? Donc, ça, on va le prendre, copier. On va aller ici. On va faire en bas, vous voyez, on va faire modifier tout simplement ici. D'accord ? Donc, une fois qu'on est là, je vais virer ça anti-âge. Je vais cliquer là. Et là, je fais coller. D'accord ? Et là, vous voyez, ici, ça a changé direct. Ensuite, je vais récupérer ici l'autre démo, tac, qui est là. Bon, après, je peux copier là, ça que je m'embête à chaque fois. Mais bon, je le fais tout le temps, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Je vais là, et là, au lieu d'avoir tout le texte, que par défaut, il vous mettra à chaque fois le texte qui est là. Au lieu d'avoir tout ça, parce que par défaut, vous voyez, ça n'apparaît pas sur Internet totalement. Donc, je vais aller ici et je vais coller ma méta description. Et vous voyez, elle rentre nickel. D'accord ? Tout est optimisé, tout est nickel. Et là, je fais enregistrer. Ok, une fois que j'ai fait ça, on n'a toujours pas fini. Donc là, je vais même lui demander de me demander de me créer un nom de produit accrocheur. Crée-moi un nom de produit accrocheur. Ok, là, une fois que c'est fait, il va me le faire. Voilà, éclat jeunesse naturelle, masque. Bah voilà, bah, j'aime bien. Allez hop. Et pas mal en plus dès le départ, donc c'est cool. Comme ça, je vire juste masque anti-âge ici, j'enregistre. Voilà, maintenant on n'a toujours pas fini. Ok, une fois qu'on a fait ça, il faut continuer à optimiser autre chose. Là, c'est pour la recherche également sur le site directement. Ici, vous devez ajouter le type de produit que c'est. Donc, le type de produit, ben, on va dire que c'est une crème. D'accord ? Le fournisseur, c'est ma marque. On va le mettre dans des collections, donc crème pour la peau. Donc, les collections, vous pouvez les faire en amont à gauche. Là, vous avez collection, vous la créez et vous le mettez. Après, même si jamais vous le faites pas de suite, vous pourrez le faire après, l'ajouter. C'est très facile pour le faire. Ici, vous ajoutez des balises. Donc en fonction de la plateforme où vous êtes, je sais que sur WordPress avec WooCommerce, ça s'appelle des tags. Là, c'est des balises, c'est pareil. Donc là, par exemple, je vais dire que là, c'est on va mettre le soin, on va mettre crème, on va mettre anti-âge. On va mettre, bon voilà, vous mettez ce que vous voulez, sachant que ça, c'est ce que les gens vont taper sur Google pour retrouver votre produit. D'accord ? Et là, on fait enregistrer. Ok ? Et là, une fois que c'est enregistré, bah, tout est OK. D'accord ? Là, au moins, vous êtes tranquille. Je vais voir si tout est OK. Hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Enregistré. Voilà. Donc, voilà. Là, on a terminé la page produit. Vous voyez, elle est optimisée. Elle est classe. Elle est cool. Elle est plutôt sympa. Et voilà le résultat.
Hop, je vais aller dessus. Voilà, le titre, il est là. Éclat jeunesse naturel, masque revitalisant bio. Ici, on a la petite photo qui est avant avec le descriptif produit qui est là, d'accord ? Et une fois que vous êtes ici, bon, moi j'ai mis une FAQ, mais ça c'est sur ma page produit, c'est à part, d'accord ? Pareil, vous pouvez créer des pages produits différentes. Je vous mettrai le lien dans la vidéo pour vous montrer comment créer une page différente en fonction de votre thématique. Par exemple, pour les crèmes, il faut avoir une page bien spécifique pour tous vos produits qui vendent des crèmes, tous vos produits qui font du maquillage, tous vos produits qui font, par exemple, des vêtements ou autre. Vous pouvez vraiment avoir des pages totalement différentes pour chaque secteur ou chaque catégorie, d'accord ? Ça, je vous mettrai le lien de la vidéo en description, d'accord ? Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai tout montré. Donc pareil pour les métadescriptions pour le SEO. Ah oui, vous pouvez mettre aussi, avant que j'oublie, vous pouvez rajouter des liens. Donc là, on a dit qu'on avait mis en gras. Mais si par exemple, je voulais mettre des liens qui redirigeaient vers un... Par exemple, bon là, on va mettre par rapport à ma boutique, par exemple, la page contact. Allez, dépêche-toi. Hop, on va juste dézoomer ici. Voilà, ben je peux prendre en haut l'URL, d'accord ? Donc là, je prends là pour la démo, je prends ma boutique, mais si vous voulez, par exemple, rediriger vers une collection, par exemple, vous avez fait un article de blog, vous parlez de masque anti-âge, je vais le rediriger vers ce produit-là, ben vous prenez le mot qui est intéressant, vous cliquez sur « Insérer un lien », là, vous collez le lien, vous pouvez mettre un titre si vous avez envie, vous pouvez choisir si vous voulez que ça passe dans la même fenêtre ou une nouvelle fenêtre, et quand on fait « Insérer », hop, le lien il est en place, d'accord ? Si vous voulez changer certains mots en couleur, vous pouvez le faire aussi, comme ça, ça attire l'œil aussi. Mais voilà comment on peut ajouter des liens directement sur page produit pour qu'elle soit optimisée. Maintenant, je vais vous montrer le résultat. On va cliquer ici, ok ? Et quand je vais aller ici sur masque anti-âge, je clique dessus et hop, ça va m'ouvrir directement ma page contact ici. Vous voyez ? Donc c'est plutôt pas mal. Donc si jamais vous voulez voir la boutique, d'accord, je vous mettrai le code en bas pour voir la boutique. Donc tous ceux qui auront attendu la fin de la vidéo pour le voir, ils pourront voir la boutique s'ils veulent s'inspirer un peu de ce que j'ai fait. Vous allez tout simplement rajouter... Alors attendez, il faut que j'enregistre, pardon. J'enregistre ce que j'ai fait. Donc le code, je vous le mettrai en bas, ok. Et en fait, dans préférences, c'est là où vous trouvez vos codes aussi si vous devez le partager. Donc mon code en question, ce sera RELA, R-E-U-L-A-H, ok. Donc si jamais vous voulez voir le site, vous pourrez aller sur le site, vous tapez, je vous mettrai le lien aussi du site, le lien URL, d'accord. Vous cliquerez dessus, voici le mot de passe si vous voulez voir à quoi ça ressemble, d'accord. Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, me dire si ça vous a plu également en mettant un grand pouce bleu, ok ? Et en le partageant au maximum de personnes à qui ça peut aider, qui sont dans l'e-commerce, même si vous ne l'êtes pas, vous avez des amis ou de la famille qui est dedans, donnez-leur ça. Si jamais vous voulez que je vous accompagne plus en détail, ben, prenez rendez-vous pour un accompagnement. Donc il y a ces accompagnements payants, parce que là j'ai déjà beaucoup de gratuits, je donne beaucoup d'informations. Si on a passé des heures ensemble, ben, vous prenez un accompagnement. Et à ce moment-là, je vous mettrai également mes tarifs en bas avec les liens directement vers mon site web. D'accord ? Merci à vous et à bientôt. C'était Faux de Speedy.com. Ciao, ciao, ciao.